Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'addition. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avons vu les techniques pour faire les additions. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer tout un tas de petits exemples d'addition. Donc, nous allons commencer par des additions assez simples, comme par exemple 4 plus 2. 4 plus 2, vous pouvez vérifier avec la technique de l'axe, ça fait 6. Après, combien font par exemple 6 plus 6? Eh bien, 6 plus 6 vont faire 12. Donc, il faut avoir certains repères comme ça en tête. Vous les connaissez par cœur. Après, rien ne vous empêche, si jamais vous avez oublié, eh bien, de redessiner les choses. Par exemple, pour faire 6 plus 6, eh bien, vous dessinez 6 pêches, 3, 4, 5, 6, plus 6 autres, 1, 2, 3, 4, 5. 6 et vous les comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous retrouvez bien 12. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au brouillon. Mais là, il serait temps, et il y a un moment il faut le faire, apprendre tout un tas de petits résultats par cœur. Ça vous facilitera la vie. Donc après, par exemple, combien vont faire 7 plus 6? Alors 7 plus 6, vous pouvez utiliser certaines astuces. Par exemple, vous voyez que c'est pas très loin de 6 plus 6. C'est-à-dire que la seule chose qui change, c'est que c'est un 7 à la place du 6, donc il y a un plus 1. C'est la même chose que cette addition auquel il faut rajouter 1. Du coup, le résultat, c'est le même que celui-là auquel on va rajouter 1. Donc 12 plus 1, 13. Donc le résultat, c'est 13. Donc on peut continuer, on peut faire par exemple 8 plus 8. Ben, 8 plus 8, vous pouvez vérifier que ça fait 16. Combien font 6 plus 7? Eh bien, 6 plus 7, c'est la même chose en fait que 7 plus 6. Donc, cela va faire 13. 7 plus 8. Alors, 7 plus 8, lui, va faire 15. C'est un peu la même chose que 8 plus 8. Sauf qu'au lieu d'avoir 8, on a 7. Ça veut dire qu'on a un cran en moins. On a une unité en moins. Donc, au niveau du résultat, au lieu d'avoir 16, eh bien, on a un cran en moins, c'est-à-dire 15. Voilà. 9 plus 9. Eh bien, cela va faire 18. Alors maintenant, on peut revenir sur des additions un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire où les nombres vont avoir plus d'un seul chiffre. Donc, par exemple, 22 plus 3, pour commencer. 22 plus 3, on commence par additionner dans la colonne des unités. Donc, cette colonne-là. Voilà. Dans cette colonne, 2 plus 3 font 5. Et ensuite, on passe à la colonne des dizaines. Et dans cette colonne, eh bien, il y a juste 2, donc du coup, on le reporte. On peut additionner 38 plus 17. Alors, combien font 8 plus 7? Au brouillon à côté, 8 plus 7 égale. Bon, ça, on l'a déjà vu dans les exemples. Au-dessus, 8 plus 7, ça va faire 15. Oups, donc 15, voilà. 8 plus 7 fait 15. Donc, le 5, l'unité, va se retrouver dans la colonne des unités et le 1 des dizaines va se retrouver en retenue dans la colonne des dizaines. Donc maintenant, on additionne la colonne des dizaines. 3 plus 1, 4, plus 1, 5. Voilà, du coup, on trouve le résultat. 38 plus 17 fait 55. Alors, on peut en faire un petit dernier. Par exemple, 99 plus 88. Alors là, 8 et 9, combien font 8 plus 9? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Non. 8 plus 9. Bien, c'est un peu comme 9 plus 9, sauf que vous voyez que c'est 8 à la place de 9, c'est-à-dire que c'est un cran en dessous. Donc au niveau du résultat, ce ne sera pas 18, mais 17. Donc 8 plus 9 égale 17. Le 7, je le place dans la colonne des unités, le 1 en retenue. On s'occupe maintenant de la colonne des dizaines. 9 plus 1, 10, plus 8, 18. Et donc on a le résultat, 187. Voilà pour ces exemples. Donc vous voyez que c'est important de connaître un certain nombre de résultats simples, c'est-à-dire des additions de nombres à un chiffre. Et après, ça vous permettra de faire rapidement tout un tas d'autres additions. À bientôt!